Non. Le plus drôle, c'est que je n'ai plus besoin de thé. Je suis réchauffée maintenant. Moi aussi. Attends un peu, Han Chao. Laisse-nous nous reposer. Il a raison. Nous devons nous remettre en marche pour ne pas avoir froid. D'accord, d'accord. Tu as raison. Nous n'avons pas de temps à perdre. Bon, vous venez. Nous devons retrouver le roi des licornes. Quel endroit détestable. Je suis glacée jusqu'à la moelle. Pourquoi tu t'agites comme ça? Il faudrait t'implanter un cerveau pour que tu te rendes compte que tu gèles sur place, pitoyable créature. C'est tout à fait conforme à la description de notre espionne, Gargona. Face à nous, c'est l'île secrète. Et comment comptes-tu t'y prendre, au juste, pour traverser un océan glacé avec un dragon sans ailes qui avance comme un escargot? Rassure-moi, tu as un plan, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que j'ai un plan. Crois-tu que je nous aurais entraînés ici, ma chère Gargona, sans avoir réfléchi un minimum à la façon dont... Oh, bougre d'idiot, toujours dans l'improvisation. Nous n'atteindrons jamais cette île. Tais-toi un peu que je puisse réfléchir. N'approche pas, mon biquet. Tu as peut-être l'impression que ces bêtes-là sont inoffensives, mais ce sont des petits démons sournois. As-tu perdu la tête, par hasard? Ces monstres ne vont pas tarder à savoir qui est leur maître. Une fois sous mon contrôle, ils nous aideront à capturer sans mal les deux licornes ailées. Mon fluide est gelé. Quelle bouffonnerie! Quoi? Oh non! Vous n'allez pas recommencer! Pas recommencer? Ils t'ont déjà fait le même coup? Infâme démon! Oh, en plein dans le mille! Ils s'imaginent que tu t'amuses alors que nous sommes tous les trois prisonniers d'un bloc de glace parti à la dérive au milieu de... Ah! Nous sommes entièrement entourés d'eau!